Bonsoir à tous. Donc, je souhaite une bonne semaine de relâche à ceux qui sont en congé. Donc, comme première annonce que je dois vous faire ce soir, c'est le départ de notre directeur général, M. Tanguay, qui nous quitte après 4 ans de service ici à la Ville. On est heureux d'avoir pu compter sur son dévouement, son dynamisme. Merci de nous avoir assuré une relève par une équipe qui est solide. Et puis, M. Tanguay nous quitte pour la ville voisine de Saint-Bruno. Donc, on lui souhaite une bonne continuité dans son cheminement de carrière. Encore merci. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, une autre nouvelle, pour des gens qui connaissent M. Paul-Émile Lagut, il est décédé dernièrement. M. Lagut avait 99 ans et il aurait eu 100 ans au mois d'août prochain. M. Lagut était fondateur du garage Lagut qui se trouve au coin de Bellerive et de la 112. Donc, c'est un homme qui était très impliqué au sein de la collectivité, un sage qui aimait en jaser pour régler les problèmes. C'est ce qu'on me dit. Donc, nos sincères condoléances à la famille Lagut. Donc, pour une première fois, on a changé la façon de faire. Donc, les questions sont prises en direct. Donc, c'est Mme la greffière qui va faire la lecture des questions qui sont reçues. Donc, s'il y a des questions qui ont été reçues sur la plateforme, elles vont être traitées ce soir. Donc, il est possible pour vous d'envoyer vos questions pendant la période de questions qui va débuter tout de suite après l'adoption, juste avant l'adoption de l'ordre du jour. Donc, j'en suis rendu à la période de questions. Donc, s'il y a des questions, j'inviterai Mme la greffière à nous en faire la lecture. Oui. Donc, la première question vient de M. Francis Blondeau. C'est quand même un long texte, donc je vais juste y aller tranquillement pour être sûr que vous puissiez comprendre tous les éléments, là. Donc, M. Francis Blondeau. Bonjour, Francis Blondeau, Boulevard des Ourdis, Carignan. Ma question concerne le point 7.3, octroi de contrat, travaux d'aménagement du parc multifonctionnel à Bricon pour un 8 043 206,43 $. En 2019, la Ville a adopté un règlement d'emprunt 514E pour un montant de 3 589 000 pour la préparation de plans et devis et d'autres documents connexes, ainsi que la construction et l'aménagement du centre multifonctionnel. Vous avez mentionné dans votre mot du maire pour la séance d'avril 2019, il s'agit là du montant total, mais la Ville rappelle à la population que le gouvernement s'est engagé par une autorisation de principe, a attribué une aide financière équivalente à 50 % des dépenses admissibles jusqu'à un maximum de 1 542 500 $ dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 4.2. Il est vrai que le montant de la subvention doit être appliqué en réduction des dépenses autorisées par le règlement. Il est mentionné dans le règlement, le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement d'emprunt toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement d'emprunt. Par la suite, en juin 2019, vous avez autorisé la préparation de plans et devis, supervision de travaux et assistance pour l'appel d'offres pour un montant de 476 393 $. Il reste donc un montant disponible sur le règlement d'emprunt de 3 112 607 $ moins les autres frais engendrés qui ne passent pas au conseil, comme les intérêts, petites dépenses pour l'analyse non comprise dans l'octroi de contrat. Et là, vous vous apprêtez à octroyer un contrat de 8 043 206,43 $. Ce montant dépasse de 4 930 499,43 $, soit plus du double de ce qui était prévu au règlement. Ce qui nous amène à un projet de plus de 8,5 millions pour la construction d'une patinoire réfrigérée. Dernièrement, Candiac a construit On a construit une au standard de la LNH pour 4,6 millions de $ et Varennes pour 5 millions de $. En gestion, on nous apprend de ne pas regarder ce qui a été investi, ni les subventions disponibles, mais bien les coûts par rapport à ce que l'investissement va rapporter, sans oublier la capacité de payer des citoyens. Le tout dans le but de ne pas se retrouver avec un éléphant blanc au même titre que le Stade olympique à Montréal ou le nouveau Colisée de Québec. Mais à ce niveau, vous devriez être bien outillé. Vous avez quand même un directeur général d'une autre municipalité dans votre équipe, sans compter la compétence des employés de la Ville. Dans les deux dernières années, la Ville a adopté une multitude de règlements d'emprunt, parcs multiculturels, réfection aux abords des écoles, de la 112, de la nouvelle école, la maison des aînés, l'aménagement de quelques parcs, la réfection des systèmes d'égouts et d'aqueducs, et j'en passe. Sans oublier les projets à venir, l'aménagement du parc des îles, la nouvelle église dont on vient de faire l'acquisition, les nouveaux quartiers à développer. Donc, pour le bien des citoyens de Carignan, êtes-vous certain de mentionner que vous êtes prêt d'aller de l'avant avec un projet qui a suscité de la grogne à son lancement et qui va coûter plus du double de ce qui est prévu, tout en gardant ceux-ci dans les yeux?
Et si d'autres conseillers veulent se prononcer, cela me fera plaisir de les écouter. Deuxième question, même si j'inclus le règlement 527 pour le volet stationnement et le boulevard de la mairie de 1 945 000, moins les dépenses déjà engendrées, supposons que vous faites les deux projets en même temps et octroyez le contrat au même contracteur, ce qui peut avoir du sens, comment allez-vous financer le dépassement de plus de 3 millions? Si c'est par les surplus, la politique de gestion des surplus que vous avez mise en place est très généreuse. Vous avez décrié avec raison l'ancienne administration qui a acquis l'aile au foin pour 2 millions avec les surplus pour éviter un possible référendum via un règlement d'emprunt. Merci, Francis Blondeau. Donc, vous faites bien de souligner la compétence du personnel ici à la ville, particulièrement le trésorier qui gère très bien les finances. Donc, d'entrée de jeu, il y a deux projets qui sont réalisés en même temps pour l'économie et réduire les inconvénients pour les résidents du secteur. Donc, il y a l'aménagement du parc du centre multifonctionnel. Donc, ce n'est pas uniquement une patinoire réfrigérée. Là, il faut voir que dans son ensemble, c'est un parc où il y a un usage qui va être annuel. Et c'est un lieu de rassemblement pour la population, puis les activités aussi publiques pour le camp de jour. Donc, nous, déjà là, on avait prévu faire une infrastructure à caractère là, pour les gens de l'ensemble de l'hospitalité. Donc, le lieu privilégié était l'école du secteur, où il y aurait une activité qui serait possible aussi pour les enfants qui fréquentent l'école Carignan-Salière, ainsi que l'ensemble des soins de la ville. Deuxième projet qui serait fait malgré tout, malgré qu'il n'y avait pas l'aménagement du parc, c'est l'aménagement du stationnement et débarcadère de l'école Carignan-Salière. Donc, il y avait des problématiques qui étaient connues. Et puis, donc, nous, on avait prévu de faire des travaux dans la même période pour éviter justement les inconvénients pour les gens du secteur. Donc, l'ensemble de l'enveloppe là, concerne l'aménagement du parc et l'aménagement du stationnement et débarcadère pour l'école Carignan-Salière. Donc, il y a un règlement d'emprunt, effectivement, pour 3 580 000 pour l'aménagement du parc. Et puis, présentement, il y a des dépenses qui ont été déjà attribuées pour l'équivalent de 228 000, qui reste un solde disponible de 3 360 000. Et pour le règlement 527, que vous faisiez mention, pour l'aménagement pour le stationnement et le débarcadère d'école, c'est 1 945 000. Donc, la dépense nette, là, c'est 7 858 000. Puis, pour financer cette dépense-là, il y a effectivement les deux règlements d'emprunt, le 527, le 514, et pour lequel on a eu une subvention d'1 597 000. Et puis, pour la différence qui sera comblée, donc, l'appropriation des surplus affectés de dette qui sont générés l'an passé, puis des surplus pour 1 431 000 de surplus non affectés. Et d'autant plus, il y a une contribution financière du Centre de services scolaires pour l'équivalent de 208 000. Donc, puis contrairement, vous faites référence à un dossier qui fait état de l'époque de l'ancien conseil où l'acquisition de la Pointe-Nord avait été faite à même les surplus. Simplement dire qu'à l'époque, il y avait un registre qui avait été signé avec un nombre suffisant de citoyens qui était pour finalement refuser le règlement d'emprunt, qui aurait eu lieu un référendum. Donc, l'ancien conseil, au lieu d'aller à un référendum, a décidé de prendre dans les surplus pour en faire l'acquisition en épuisant les coûts de la ville. Tandis que nous, c'est pas dans ce cas projet actuel qu'on le présente à la population. Il y a eu deux règlements d'emprunt, puis vous faites mention, puis ça aurait pu susciter la grogne, j'ai pas vu. Dans le cas du règlement 514E, il y a eu simplement 60 signataires. Puis ce que je peux vous dire, moi, ce que j'entends des citoyens, c'est qu'ils attendent avec hâte la venue de ce plateau sportif-là. Donc, je ne crois pas que ça puisse mettre la ville en péril, d'autant plus qu'on a la capacité financière sans capacité d'emprunt supplémentaire pour réaliser cette infrastructure qui va satisfaire l'ensemble de la population. Prochaine question? Oui, j'écoute. Donc, de Mme Lorraine Moquin. Point 7.6, acceptation offre de vente lot 6 359 606 en Remblais dans le lit de la rivière Richelieu, direction de la gestion du domaine hydrique de l'État. J'ai contacté la ville le 2 mars et personne n'a pu me situer exactement l'emplacement du lot en question que vous souhaitez acheter dans le lit de la rivière Richelieu, car semble-t-il, ce lot n'existe pas encore et sera créé prochainement. Est-ce que le lot que vous souhaitez créer et acquérir se trouve à l'endroit ou à proximité de la descente à bateau que vous projetez sur l'île Goyer? C'est une première question. Bon, je vais y répondre. Dans l'ordre. Donc, je ne sais pas si on a l'image. Regardez, nous, en 2018, on a fait l'acquisition du parc des îles, donc l'ancienne marina, là, qui était la propriété de M. Duclos, qui était en vente pour l'état des constructions de condos. Nous, on a fait l'acquisition. Et puis, nous, ce qu'on a acheté, on a acheté le haut du talus. Donc, toute la propriété là, qui fait face à la rue des Roses nous appartient. Par contre, tout ce qui est riverain n'est pas propriété de la ville. Donc, nous, pour
citoyens n'aient pas bénéficié de l'arrêt. Il y a une démarche qui est entreprise auprès du c'est le centre d'expertise Thédéric qui était propriétaire de cet emplacement-là, parce que même M. Dupuis n'en était pas propriétaire. Lui, il avait le droit d'usage. Donc, nous, l'acquisition a été faite, la demande a été faite, et c'est la raison pour laquelle hein, la résolution de ce soir pour nous permettre d'en devenir propriétaire pour faire bénéficier aux citoyens l'accès à la rive. Deuxième question de Mme Lorraine Moquin. Quand vous avez demandé un plan concept ou un devis pour l'aménagement du parc en bordure de Richelieu à l'île Goyer, avez-vous donné comme instruction au fournisseur de prévoir une descente en bateau dans le plan? Suite à l'acquisition du terrain, donc nous, la chose qui avait été demandée, c'était de voir quelles étaient les possibilités d'aménagement, toutes les possibilités sur le site que nous, on avait acquis. Donc, ça faisait partie de l'ensemble. Ensuite, toujours Mme Moquin, à quelle étape se trouve actuellement ce projet d'aménagement du parc en bordure du Richelieu? Donc, comme vous savez, il y a un sondage qui s'est terminé le 11 janvier dernier. On est à l'élaboration du plan directeur parc-espace vert. C'est en chantier. Il y a des consultations qui ont eu lieu aussi suite à la présentation du projet d'aménagement du parc des îles. Donc, tout a été pris en compte. Et des consultations seront lieu pour la population dans les prochains mois. On est en rédaction, puis on est en train de finalement les recommandations des gens qui nous accompagnent là-dedans pour présenter à la population pour finalement finaliser l'ensemble des parcs, pas simplement celui à l'île Goyer, mais l'ensemble des parcs du territoire et combler les besoins qui sont demandés par les citoyens. Toujours Mme Moquin, concernant le point 11.4, avis de motion, premier projet de règlement 483-16, modifiant le règlement de zonage, diverses modifications. La prochaine question concerne le zonage de la pointe nord de l'île aux Lièvres, mieux connue sous la désignation d'île au point. Je sais que la ville est en attente depuis 3 ans pour que débute l'analyse du dossier, pour peut-être un jour obtenir le statut de réserve naturelle. Par ailleurs, cela fait bientôt 4 ans que la ville a acheté l'île au point dans le but de se soustraire à toute construction de ces 10 hectares inondables à plus de 70 %. Son zonage actuel de type naturel de type 2 continue d'y permettre la construction malgré de nombreuses modifications faites au plan de zonage depuis 4 ans. C'est une incohérence et un manquement à nos engagements. Qu'elle soit réserve naturelle ou non, les ententes signées avec le vendeur et le fonds vert de la CMM exigent qu'une protection juridique garantisse la conservation du milieu naturel. Pourquoi ne pas attribuer un zonage MNE à ce lot dès maintenant avec le projet de modification du règlement de zonage 483-16 apparaissant au point 11.4 et 11.5 de l'ordre du jour sur lequel vous demandez le vote aujourd'hui puisqu'il traite de divers sujets. Cela remplirait les obligations de la ville et assurerait l'intégrité du milieu. Suite à la demande qui a été faite en 2018 auprès du ministère de l'Environnement pour effectuer une réserve naturelle, mettre une réserve naturelle sur ce point de territoire, on est toujours de façon régulière, on fait des suivis réguliers. La demande est toujours en analyse. Votre inquiétude quant à la protection du réacteur naturel, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. De toute façon, il n'y a aucune intention d'énergie, quoi que ce soit. Et puis, compte tenu que ça n'avance pas vraiment au niveau du ministère, il serait vu par le conseil de peut-être amener des modifications de l'affectation sur cette portion de territoire, éventuellement, dans les prochains mois. Prochaine question, M. Sébastien Reich. Comment prévoyez-vous assurer la sécurité pour l'ensemble des citoyens lors des travaux à venir pour la nouvelle école à proximité de la rue Albany, étant donné qu'un grand nombre de camions lourds devront circuler lors de ces travaux? Il y a déjà des problématiques de vitesse, une grande quantité de véhicules qui y circulent et de la largeur la largeur sur la rue Henriette et Gertrude. Sans parler du grand nombre de véhicules sur Belle-Rive, avez-vous un suivi à propos de votre demande de route sur les terres agricoles? Donc, pour l'instant, il va y avoir sûrement des indications à l'effet que sur l'aménagement des travaux, il y aura sûrement une route. Je ne peux pas vous dire exactement de quelle manière les véhicules vont circuler. Il y a des mesures qui vont être prises pour s'assurer de la sécurité des résidents du secteur, parce que vous parlez des élèves proches d'école. Je ne sais pas quelle route va être empruntée. C'est certain qu'il y a un tracé qui va être demandé aux contracteurs pour s'assurer que la sécurité soit maintenue pour éviter qu'il puisse avoir des inconvénients pour les citoyens. Et puis, pour la démarche de terre agricole, je n'ai pas eu de questionnement à ce sujet-là. Vous m'appelez ça, qu'il y avait une question de terre agricole. Je n'ai jamais eu ça comme intention de passer à terre agricole. Je ne sais pas si ça vient de cette information-là, mais il n'y a jamais été question de passer sur le terre agricole pour faire un tracé pour mettre au camion de s'y rendre sur le chantier.
Prochaine question, Madame Maryse Villeneuve. À qui puis-je m'adresser pour faire financer l'installation de la fibre optique dans mon secteur, Coteau du Trèfle Nord? J'ai une compagnie qui serait intéressée à faire le travail, mais elle n'a pas la personne à contacter, soit à la ville ou à la MRC. Donc, à la MRC, il y a déjà un projet à la MRC. Là. Je pourrais vous donner la référence si vous voulez par courriel. J'ai votre adresse courriel qu'on a reçue. Donc, je pourrais vous communiquer directement avec la personne qui est responsable de la MRC, au développement communautaire, parce qu'il y a d'autres personnes aussi de votre rue qui nous ont contactés dernièrement là, pour vous faire part de votre problématique, parce que la MRC a répertorié sur l'ensemble du territoire de Carignan et la MRC les zones où il n'y avait pas de service. Et puis, un projet est en vue justement pour le déploiement. Donc, je pourrais vous mettre en contact directement avec cette personne-là pour voir de quelle manière vous pourriez arriver à mettre le projet. Parce que vous parlez aussi, parce que je sais qu'il y a un appel d'offres pour des offres de services. Je ne sais pas si lui fait partie de la liste, là, sur votre fournisseur de services. Ça sera à voir avec la personne responsable au sein de la MRC. Prochaine question, Monsieur Patrick Paré, à quelle étape en êtes-vous avec le PPU de la carrière et quels sont les travaux à venir d'ici le printemps? Je n'ai pas de travaux en vue au niveau du PPU. Le PPU est adopté, puis les travaux, je ne sais pas de quelle nature tu parles de travaux, mais il n'y a pas de travaux qui sont prévus en dehors du PPU. Non. Ça complète les questions qu'on a reçues via la plateforme, Monsieur le maire. D'accord, merci. J'aurais quelques questions, moi, Stéphanie Lefebvre. D'abord, j'aimerais dire que, en réponse à ce que vous disiez, M. Marquez, l'enthousiasme que vous disiez à propos du projet de patinoire réfrigéré, on ne le sent pas tout à fait dans mon secteur, là. Les citoyens sont inquiets. En effet, depuis le début de votre mandat, les règlements d'emprunt se succèdent à un rythme accéléré pour des projets de parcs et de loisirs. Qu'on pense au parc des îles, à l'aménagement du terrain de la future école primaire et à l'achat de la chapelle. Comme le plan directeur des parcs n'est pas terminé, avez-vous un plan de développement pour guider votre démarche? Bien, nous, on avait déjà, on savait déjà quels étaient les besoins là, sur le territoire de Carignan. Et puis, on a des personnes ici responsables au niveau des loisirs. Et puis, la population a déjà été sondée. Donc, on n'est pas parti de rien. Là. On ne fait pas de façon aléatoire les démarches qu'on entreprend. Ouais. Le sondage ne parlait pas d'une patinoire, il parlait d'une piscine, mais bref. Compte tenu que plusieurs projets coûteux ont été présentés, que la ville a des moyens financiers limités, des citoyens m'ont indiqué que l'aménagement du terrain de la nouvelle école doit être la priorité. Pourquoi ne pas consulter la population? Le projet là, du centre multi, c'est déjà un projet depuis 2018. Là. On est rendu à l'étape d'octroyer le contrat, donc on ne reviendra pas en arrière là, pour présenter d'autres projets qui sont possibles d'être faits dans le futur. Puis pour la question du secteur de l'école, c'est un projet qui va être vu à long terme, pas pour les prochains mois. Justement, vous parliez de la subvention en 2018. Candiac, dans à peu près le même moment, a demandé une subvention pour implanter aussi une patinoire réfrigérée. Les travaux commençaient le 3 juin 2019 et la patinoire ouvrait officiellement le 23 décembre 2019. Les citoyens doivent maintenant payer plus cher à Carignan parce que Carignan a tardé à octroyer le contrat. Pourquoi avoir autant attendu avant de concrétiser le projet. Là, c'est les étapes qui ont suivi. Je ne peux pas vous dire comment ça s'est présenté là, pour l'échéancier des travaux, parce qu'il y avait deux projets qui se faisaient en même temps. L'aménagement du débarcadère, donc c'était une combinaison des deux. Puis je ne peux pas vous dire, c'est sûr que l'année 2020 a été pas mal pour nous handicapante. Hein. Donc, c'est une des raisons principalement que possiblement que les projets ont été retardés. Donc, comme vous savez, un peu le Québec a été mis sur pause pendant plusieurs mois. Donc, nous, on a tout fait en sorte pour que ces travaux-là soient réalisés. Donc, c'est un projet qui va se concrétiser. Une précision, M. le maire, Oui. c'est très technique, là, mais le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, on l'a reçu, là, je crois, juste à la fin de la dernière année. Fait que ça a été très long, malheureusement, là. Sur ce volet-là, entre autres choses. Ouais. Merci pour du complément d'information. Compte tenu que l'appel d'offres permet de réaliser seulement un des deux lots des travaux prévus, avez-vous pensé à procéder en deux temps comme à McMasterville, puis ça permettrait plus de respecter la capacité de payer des citoyens?
Parce que la capacité de payer n'est pas mise en cause, là, parce qu'on a un règlement d'emprunt qui justifie le financement du projet. Et puis, à même les surplus, là, il est possible d'arriver à concrétiser le projet sans même aller chercher une taxe supplémentaire. Donc, puis pour, en deux phases, j'ai proposé si on peut scinder le contrat. Là. Juste mentionner que les lots, c'est la patinoire, en fait, c'est les équipements récréatifs qui sont un lot. Et le deuxième lot, c'est le réaménagement du stationnement, débarcadère de l'école et le prolongement là, de la rue de l'école en vue de déplacer le rond de virage, étant donné qu'on a besoin de l'espace pour agrandir le stationnement. Ça, ce sont les deux lots. Ah, c'est ce que vous appelez les deux lots. C'est une meilleure, je pense, combinaison de faire les trois en même temps que de faire en deux phases. Mais pour peut-être la question de Mme Lefebvre, c'est est-ce qu'on aurait pu faire, par exemple, comme avec Master, faire seulement la toiture et ne pas faire l'aspect réfrigéré. Ah, bien ça, si c'est je ça. Je ne sais pas si je comprends bien la question. C'est la question spécifique, mais je pense que j'ai eu des entretiens avec le maître de McMaster qui s'était à déconseiller. Là. Donc, ça a été plus problématique pour eux d'agir de la sorte. Là. Ça aurait été plus profitable là, de faire d'un ensemble parce que c'était beaucoup plus coûteux et c'était à refaire les travaux. Le terrain prévu pour implanter la patinoire réfrigérée est situé près des résidences. Êtes-vous inquiet des nuisances que ça peut occasionner aux citoyens? Je fais entre autres référence au projet de deck hockey qui a été implanté justement en quartier résidentiel à l'île Goyer, puis finalement, ça s'est avéré être dérangeant pour les citoyens. Puis là, on ne pourra pas défaire la surface. Là. Quand ça va être monté, on va devoir vivre avec. Donc, vous, ça ne vous inquiète pas? Comme je vous dis, ça a été déjà analysé dans le passé, là, puis on est rendu à l'étape du contrat qui est octroyé. Donc, j'ai pas eu écho de citoyens, comme vous me faites part, là, qui serait venu se manifester à cet effet-là. Mais à l'île Goyer, il n'y a pas personne qui s'était manifesté, puis on l'a su à l'usage que ça dérangeait. J'espère juste qu'il n'y aura pas de problème. Ma dernière question, ce projet est né d'une volonté de faire profiter la population d'une subvention de 1,5 million de dollars. Considérant l'explosion des coûts, considérez-vous toujours qu'il s'agit d'une opportunité à ne pas manquer pour les citoyens? Je vais vous dire, c'était évalué dans son ensemble. Et puis, regardez sur le territoire de Cavignac, quel est le plateau sportif là, qu'on peut offrir à l'ensemble de la population. On voit d'année en année là, que l'usage des patinoires là, devient pour les citoyens difficile compte tenu du changement de température. Donc, si on a une patinoire là, qui va être plus accessible à l'ensemble en regard des écarts de température, c'est vraiment un bon événement pour l'ensemble de la population. Pourtant, moi, mes citoyens m'indiquent que l'aménagement de l'école primaire aurait dû être prioritaire. Mais ça demeure l'avis de votre conseil. Je vous remercie. J'aurais une question, M. le maire. Oui. Considérant les engagements de la ville au niveau de l'acte de vente, puis au niveau de l'entente avec les fonds verts de la CMN pour les terrains de la pointe nord de l'île Olièvre, qu'on appelle aussi anciennement l'île au foin. J'aimerais déposer, je suis désolée, là, mais je suis un peu à la dernière minute, mais j'aimerais déposer une demande de modification au schéma d'aménagement de la MRC, la vallée de Richelieu, pour changer le MN2 en MN1 de ce terrain, de ce lot, qui est 2,599,773. Juste, Mme Poussard, je suis pas certain que c'est nécessaire de changer le schéma pour mettre le terrain de l'île au foin ou de la pointe nord de l'île au lièvre en MN1. Les vérifications que j'ai faites avec le service d'urbanisme récemment, il y a encore une validation à faire auprès de la MRC, là, mais on ne croit pas que ce soit nécessaire de faire la modification au schéma. Je peux me tromper, là, mais c'est possible que ce ne soit pas nécessaire. Okay, évidemment, vous me prenez de court, là. Oui, je sais. Ce que j'ai entendu de M. le maire tout à l'heure, c'est qu'il y a l'intention de demander à l'administration, bien, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure. Ce que vous demandiez à la question de Mme Moquin, c'est ce que je lui ai dit, là, d'ailleurs. Vous demandez à l'administration de préparer un projet de modification du règlement de zonage pour prévoir le MN1 sur la pointe nord de l'île aux lièvres. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit en réponse à la question que je donnais à Mme Moquin. Ben, est-ce qu'on peut le mettre à l'ordre du jour du mois d'avril? Si ça demande un petit peu de justification ou d'interprétation ou quoi que ce soit, là, mais j'aimerais que ce soit à l'ordre du jour au mois d'avril, s'il vous plaît. Ça va dépendre du délai de traitement. Là. Donc, j'ai dit au cours des prochaines semaines. Aujourd'hui, ça va être au mois d'avril, tout dépendant
la durée d'exercice d'être requise par le service d'urbanisme. Hein. Ce que j'ai répondu à Mme Moquin, qu'elle n'a aucune excuse d'avoir pour la protection du parc naturel, compte tenu qu'on n'a pas reçu de réponse encore pour la demande de réserve naturelle du ministère de l'Environnement, donc pour rassurer les gens qui s'inquiètent. Donc, c'est la démarche qu'on serait prête à entreprendre. Parfait, mais je voudrais seulement que vous souligniez qu'on a des engagements au niveau de l'entente des fonds verts de la CMM. Pour respecter, là. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Il n'y a aucune infraction de la part de la ville au niveau des engagements. Là. OK, parfait. Merci beaucoup. J'aurais une deuxième question. J'aimerais savoir si on aurait modifié un petit peu le lotissement de l'école et de la maison des aînés afin de ne pas être dans un milieu humide. Est-ce que ça aurait eu une incidence sur les terrains que le gouvernement nous demande de changer, des terrains zonés blancs? Le ministère de l'Environnement demande à ce que l'on les change en MNA. Ma question est-elle claire? Non, je n'ai pas compris de votre question. Là. Je voulais savoir si on avait changé, modifié un petit peu le lotissement. Ça veut dire changer, je ne sais pas moi, de 50 pieds, l'école ou la maison des aînés, afin qu'elle ne soit pas dans un milieu humide. Est-ce que ça aurait eu une incidence à ce que les citoyens qui sont... Dans le fond, la tranchée que le ministère de l'Environnement demande, est-ce qu'on protège en MNA, est-ce que ça aurait pu demeurer en milieu, en zone blanc? C'est pas mal technique, là. Je vais laisser M. Tanguay voir si j'ai bien saisi le sens de la question. Là. Oui, je pense avoir bien compris, M. Maire. Mme Poussard, non, ça n'aurait rien changé parce que pour le ministère de l'Environnement, leur préoccupation première, c'était de créer un lien, un corridor écologique entre le sud de la carrière et la rivière, l'Acadie. C'est ça, sa préoccupation première. Comprenez-vous? Oui, oui. Ça. Oui. Donc, un corridor qui permet à la faune, à la flore, et continue entre le sud de la carrière et la rivière, l'Acadie. C'était ça, la préoccupation. Donc, il n'y avait pas possibilité là, de... modifié de 5 pieds, de 5 mètres, 15 mètres. On parlait vraiment de créer un corridor écologique le plus possible à 80 mètres de large. Avec deux exceptions, là, un petit peu plus étroit à la hauteur de l'école, avec le plan d'implantation proposé et qui est également dans l'ordre du jour de ce soir. Puis, encore un petit peu plus étroit pour ce qui est de la maison des aînés. Mais pour la balance du site, la prescription du ministère de l'Environnement, c'est d'avoir un corridor de 80 mètres sur toute la largeur. OK. Avez-vous présenté d'autres scénarios qui seraient peut-être plus valables au niveau de la protection de la biodiversité ou de l'impact de la faune, de la flore et de la faune, considérant qu'on est un gouvernement de proximité et qu'on connaît notre territoire? Puis qu'on sait que de mettre ces terrains-là en protection en MNA, ça amène les animaux, en tout cas, à être en danger au niveau de la 223. De mettre le territoire en MNA, ça amène un danger pour les animaux? De créer cette zone-là où il n'y a pas une biodiversité ou une faune ou une flore exceptionnelle, ça n'amène pas une protection spécifique au niveau de la protection de la faune, de la flore. Donc, ce que je vous demande, avez-vous présenté d'autres scénarios au gouvernement? Le ministère de l'Environnement, ce qu'il y a eu, là, c'est le dépôt des rapports de biologistes dans le cadre des travaux des deux projets institutionnels. À l'aide de cette information-là et de l'information qu'ils ont puis des compétences que le ministère de l'Environnement seul a demandé que ce soit cette prescription-là qui soit appliquée pour le secteur. Considérant qu'on est un gouvernement de proximité, qu'on est supposé de connaître notre territoire, qu'il y a des milieux naturels qui ont une importance encore plus élevée au sud de la carrière ou en montant, est-ce que vous avez présenté d'autres scénarios? Ben ça, c'est parce qu'un n'empêche pas l'autre. Pour le ministère de l'Environnement, le fait d'avoir des milieux avec encore plus d'intérêt,
ça les émeut pas, là. Ça ne veut pas dire que le secteur du centre était, ne méritait pas un corridor écologique. Si, merci beaucoup. Si ça, ça avait été possible, on l'aurait envisagé, mais ça ne l'est pas. Puis on vous l'aurait amené également au conseil municipal pour votre orientation, mais ce n'était pas le cas. Donc, c'est vraiment une prescription du ministère de l'Environnement qu'on évidemment, on vous suggère d'entériner. Hein. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous en sommes à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, adopter l'ordre du jour modifié avec l'ajout du point 7, pardon, 13.1. Je vais vous le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer, Diane Morneau. D'accord. Anne Poussard, un accord. Stéphanie Lefebvre, oui. Excusez, Edith Labrosse, oui. Diane Morneau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. En fait, séance ordinaire du 3 février 2021. Approuvé pour valoir à toute fin que de droit le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 février 2021. Je vais vous le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer, Diane Morneau. Vous êtes d'accord? Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, en accord. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau en accord? Daniel Saint-Jean, oui. 5-1. C'est le premier point qui est retiré l'ordre du jour, ça? Démission du directeur général. Accepter la démission du directeur général, M. Vincent Tanguay, que le conseil municipal de Carignan tienne à remercier M. Tanguay pour les belles années de loyaux services et lui souhaite le soutien dans ses projets futurs. Je vais vous le proposer à contre-cœur, M. le maire. Et Edith Labrosse va appuyer aussi à contre-cœur. À contre-cœur, on est à Carignan. Alors, quels sont ceux qui sont pour? Anne Poussard, pour. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Diane Saint-Jean, oui. Bon, ben, adopté. Encore bonne chance, M. Tanguay. Encore merci pour vos loyaux services. Carignan ne vous oubliera pas de sitôt. Merci beaucoup, M. le maire. Je n'oublierai pas Carignan non plus. 5-2. Autorisation de signature, protocole d'entente, de propre terrain, de la compte maire dans la ville de Carignan. D'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la greffière ou en son absence le greffier adjoint à signer pour et au nom de la ville le protocole d'entente relatif à la cession de terrain pour la construction de nouvelles écoles primaires entre la ville de Carignan et le Centre de services scolaires des Patriotes et à poser tout geste ou signer tout document nécessaire ou utile afin de donner effet à la présente résolution. Quelqu'un propose? Je vais le proposer, Diane Morneau. Je vais l'appuyer, M. le maire. Vous en êtes d'accord? Je demanderai le vote, s'il vous plaît. Donc, Mme Poussard. Je suis contre, considérant que je ne pense pas que tous les scénarios ont été envisagés. Donc, Mme Labrosse. Excusez, je suis pour. Mme Lefebvre. Pour. Mme Morneau. Pour. M. Saint-Jean. Pour. J'aimerais peut-être faire un commentaire. J'aimerais ça entendre Mme Poussard, quelle alternative qu'elle pense, parce qu'elle a peut-être des idées. Je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait pour voir si l'école pouvait être relocalisée, ensuite réduire son impact. Et je voudrais aussi signaler que la compensation associée avec l'école a été déplacée pour justement éviter d'être trop dans le corridor. La compensation en question correspond à 0,4 hectare. C'est très petit quand on compare à des projets qui ont été endossés par l'administration précédente. Si je prends par exemple le projet domiciliaire à l'Île-aux-Guièvres, ça c'était 4 fois plus de compensation que celui-là. Puis ici, on ne parle pas d'un développement résidentiel, on parle d'un projet qui répond à des besoins communautaires, une école et une place pour nos aînés. Alors, j'aimerais bien ça savoir quand elle est inquiète là, du fait qu'on vient empiétrer de 0,4 hectare, où est-ce qu'elle les aurait placés, les enfants et les aînés, sur notre territoire?
je les aurais placés, pour répondre à votre question, Mme Morneau, approximativement à mm-hmm. la même endroit, puisque le site n'est pas mauvais. L'école, on sait qu'on a besoin d'une école. La Maison des aînés est aussi un projet de raison. On a vraiment besoin d'un centre des personnes âgées. Par contre, il y a des conséquences sur, comme vous dites, 0,4 hectares. J'avais l'impression que c'était sur un kilomètre pratiquement. Donc, ça demande à relocaliser les habitations à l'hectare qui vont être, qui n'auront pas la possibilité d'être tout près de l'école. On met une école justement pour que ce soit près des multi-habitations. Donc, s'il y a une protection à ce niveau-là, on ne rencontre pas les objectifs qu'on s'est mis. Maintenant, on n'a jamais présenté au gouvernement d'autres scénarios où on pourrait protéger des milieux naturels qui ont encore plus d'importance. Et on sait, troisièmement, que des milieux humides apportent des proliférations de moustiques, de maladies et tout ce que vous voulez. On s'en va mettre les deux groupes d'âge les plus vulnérables. Un, les personnes âgées, et deux, les enfants dans des milieux humides. C'est le fait, c'est pourquoi je suis en contre. Je suis pour l'école, je suis pour une personne, un centre des personnes, une maison pour les personnes, pour les aînés. Par contre, j'ai ces trois points-là. Pourquoi je suis contre? Je suis obligée de mettre mon opposition. Vous les auriez mis où exactement? Juste un peu à côté? Vous les auriez mis où? Il y a possibilité de les mettre un peu plus loin que le milieu humide. Il y aurait eu possibilité de les mettre plus loin que dans un milieu humide ou près du milieu humide. Monsieur Tanguay, je sais que vous avez fait beaucoup de... Vous avez regardé de multiples scénarios. Est-ce que vous avez une idée d'où est-ce que Mme Poussard indique? Non, le secteur centre, là, l'endroit dans le secteur centre qui reste à développer, où il y a le moins de milieux humides selon les études qui ont été réalisées par CIMA et qui sont disponibles sur le site web de la ville, là, c'est vraiment dans le secteur le plus au sud. Donc là où l'école a été implantée pour le deuxième scénario, le scénario qui est présenté ce soir. Pouvez-vous m'expliquer d'abord pourquoi on protège encore plus au sud des terrains qui sont zonés habitation? Encore plus au sud. Non, le corridor, il est écologique. Il est plus au sud. Ben, je vais vous répondre, là, si vous me permettez. Oui. Le corridor écologique est dans la partie nord du secteur centre. Donc, à partir de l'extrémité nord, on descend de 80 mètres et c'est la partie du corridor écologique qui est demandée par le ministère de l'Environnement. Il ne peut pas être vers le nord, il est vers le sud de la rivière de l'Acadie. Non, le nord, là, c'est en direction de la 112, quand on est dans le secteur centre, là, ça, c'est le nord. Donc, c'est la limite entre la terre agricole, là, la zone verte et la zone blanche. Le fossé là, qui fait la ligne séparatrice. Là, ça, c'est le nord. C'est à partir de ce point-là. Là. Et donc, c'est la partie sud du secteur centre qui reste à développer, là, le fameux corridor, là, la bande au complet, là. L'ancienne terre agricole en friche. Là. Donc, c'est la partie nord, donc la limite avec la zone agricole, le nord étant en direction de la 112. Là. Donc, on part de la limite de la terre agricole et on descend de 80 mètres, le corridor écologique qui est situé à cet endroit-là. Et c'est à la demande du ministère de l'Environnement et c'est également dans cette portion-là des terrains là, qui restent à développer. Qui sont, l'expression qui reste à développer est inadéquate, là, mais plutôt dans les terrains zonés blancs de ce secteur-là, c'est la portion qui a le plus de milieux humides. Est-ce que ça répond à la question? Bien, ça répond que c'est rendu des terrains humides en descendant vers la rivière de l'Acadie, ce qui était qu'on n'a jamais eu comme information. Ben effectivement, il y a une planification de l'ensemble des lieux de conservation. Comme le plan de conservation de la ville a été adopté en 2017,
fin 2017. Je pense que c'était en novembre ou octobre 2017. Et on a commencé les travaux de les représentations auprès de la commission scolaire. Puis le PPE également a commencé tôt en janvier ou février ou mars 2018. Je ne me rappelle pas exactement, mais c'était tôt en 2018. Effectivement, ce n'était pas répertorié. Et par contre, l'étude de CIMOL démontre la présence de milieux humides. Et puis le ministère de l'Environnement nous demande de mettre un zonage là, de MN1 pour une bande de 80 mètres afin de permettre un corridor écologique entre le sud de la carrière et la rivière L'Acadie. Je me répète, là, mais je vous dis ce qui a été prescrit par le ministère de l'Environnement. La ville n'a pas le pouvoir de négocier le ministère de l'Environnement. Eux, on l'a toujours dit que l'autorité, c'était le ministère de l'Environnement. L'autorité nous dit que c'est ce qu'on doit faire. Maintenant, c'est à vous de l'accepter ou non, mais nous, évidemment, on vous recommande d'aller de l'avant avec ça. C'est d'ailleurs pourquoi l'endroit avait été choisi, parce qu'il n'y avait pas été répertorié. Donc, c'est une des seules zones blanches sur le territoire de la ville de Carignan qui n'avait pas de contraintes. Donc, au grand étonnement de tous, là, on a appris suite à l'étude qu'il y avait des milieux humides. Donc, d'où la raison pour laquelle on en est là aujourd'hui. Donc, nous en sommes au point 5.3. Autorisation de signature, avenant 1, promesse bilatérale, maison des aînés. D'autoriser le maire ou en son absence, la mairesse suppléante et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint, a signé pour et au nom de la ville l'avenant numéro 1 de la promesse bilatérale de vente et d'achat avec le Centre de services intégrés de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre et a posé tout geste ou signé tout document nécessaire ou utile pour donner plein effet à la présente résolution. Je le propose. Je vous le propose, M. le maire. Je l'appuie. Je vais l'appuyer, M. le maire. On est d'accord? Je demanderai le vote, M. le maire. D'accord. Je suis contre pour les raisons que j'ai énumérées tout à l'heure. Madame Labrosse. Pour. Madame Lefebvre. Pour. Madame Bourbeau. Pour. Monsieur Saint-Jean. Pour. Adopté à la majorité. 5.4. Désistement, procédure d'expropriation pour certains lots, maison des aînés. De décréter le désistement des avis d'expropriation publiés à l'encontre des lots 2598-092. 093, 094, 095, 101, 105, 091 et le 2 592 688, 2 952 074 du CADAS du Québec, circonscription foncière de Chambly, conformément à la résolution 2006-179, de décréter le désistement partiel des avis d'expropriation publiés à l'encontre des lots 2 598 102, 110 et 2 599 705 du CADAS du Québec, circonscription foncière de Chambly, conformément à la résolution 2006-179, d'autoriser Burel Avocate à déposer au tribunal administratif du Québec une requête en désistement des procédures d'expropriation des lots ou parties de lots énoncées à la présente résolution, de retenir les services de la firme Groupe Civitas Arpenteur Géomètre afin de préparer les descriptions techniques. Donc, est-ce que j'ai un proposant? Je vais vous le proposer, Monsieur le maire. Appuyez, M. le maire, Édith Labrosse. Vous êtes d'accord? Anne Poussard en accord. Édith Labrosse, oui. Et Fanny Lefebvre, oui. Thierry Morneau, oui. Daniel Péjean, oui. 5.5. Décret pour l'acquisition de gré à gré pour une part de l'expropriation de l'eau ou partie de l'eau supplémentaire pour l'implantation d'une maison des aînés. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. De décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 2598-077, 2598-089, 2598-090, 2598-108 et 4147-862 et d'une partie des lots 2598-111, 2598-112 et 4147-864 du CADAS du Québec circonscription foncière de Chambly afin d'y implanter une maison des aînés. De retenir les services de la firme Paris-la-Douceur afin de voir aux procédures d'évaluation d'acquisition, de retenir les services de Maître Martine Burel de la firme Burel Avocate afin de représenter la ville dans le cadre des procédures d'expropriation, de retenir les services de la firme Groupe Civitas Arpenteur Géomètre afin de préparer les descriptions techniques. Proposeur? Je vais proposer, M. le maire, Édith Labrosse. Je vais l'appuyer, Diane Morneau. Vous êtes d'accord? Je vais demander le vote, M. le maire.
Je suis contre pour les mêmes raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Madame Edith Labrosse, pour. Stéphanie Lefebvre, pour. Diane Morneau, pour. Jean, pour. Donc, adopté à la majorité. Donc, les trois derniers points qu'on vient de prendre, c'était concernant les loups de tactique de la maison des aînés. Sachez que tous ces frais-là sont payés par le ministère. 5-6. Autorisation de signature, acte de cession boisé de Carignan, loup 1,082,480, 6,206,071, correspondant à une partie du boulevard des Ourdiers et 5,908,969, correspondant à une partie de la rue Léon Ferré. Et l'autre, 5,820,894. D'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la greffière ou en son absence le greffier adjoint à signer pour et au nom de la ville l'acte de cession des lots 6,082,480 et 6,206,071 correspondant à une partie du boulevard des Ourdiers et 5,908,969 correspondant à une partie de la rue Léon-Paris et le lot 5,820,894 et à poser tout geste ou à signer tout document nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution, que cette résolution annule et remplace la résolution 20-12-445. Je propose. Merci, monsieur. Donc, ceux qui savent un petit peu ça pour vous, là, c'est vraiment le boisé là, qui est classé MN1 là, à l'intersection des Audis et le Ramonti. Donc, la ville va en faire l'acquisition. Donc, il sera possible de voir à y faire des aménagements et à préserver les lieux comme il se doit. Donc, je comprends que tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Petite Labrosse en... Oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Jean, oui. 5-7. Octroi de mandat, service professionnel, demande en contrôle judiciaire et pour jugement déclaratoire. Que le conseil municipal mandate Burel Avocate afin de défendre et de représenter les intérêts de la ville de Carignan dans le cadre de la démarche de pourvoi en contrôle judiciaire et pour jugement déclaratoire modifié portant le numéro 505-701-4.1-211. Que le conseil municipal n'entende pas donner suite à la recommandation du médiateur concernant la zone A-135, considérant que l'usage ne s'intègre pas à la trame urbaine de ce secteur et ne permettra pas son développement harmonieux. Que le conseil municipal autorise la directrice des affaires juridiques et la greffière à faire les démarches nécessaires et à mandater les professionnels dont les services seront requis pour donner suite aux instructions obtenues lors de la séance plénière en lien avec le volet médiation de ce dossier. Quelqu'un propose? Je vais vous le proposer, M. le maire. Quelqu'un appuie? Edith Labrosse va appuyer. On est d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Bien, oui. 5-8. Adoption politique administrative et salariale des employés cadres 2020-2021. D'adopter la politique administrative et salariale des employés cadres 2020 à 2025, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De modifier le contrat de travail de M. François Rioux selon la proposition déposée au conseil municipal en plénier. D'adopter le nouvel organigramme de la ville de Carignan, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. D'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et sa greffière ou en son absence les greffiers adjoints à signer tout document et à poser tout geste nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposant. Edith Labrosse va proposer. Appuie. Je vais appuyer, M. le maire. On est d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Daniel Spina, oui. 5-9. Autorisation au directeur général, évaluation de rendement 2020. D'autoriser le directeur général à procéder aux évaluations et au paiement des primes au rendement du personnel cadre selon les conditions de travail individuelles et selon les modalités prévues à la politique administrative et salariale du personnel cadre pour l'année 2020. Quelqu'un propose? Je vous le propose, M. le maire. Quelqu'un appuie? Je l'appuie. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Ça, cette prime-là permet de souligner la contribution exceptionnelle des employés cadres que nous avons à la ville de Paris. 5-10. Demande d'appui, chaîne de télévision communautaire sur le territoire, CRTC TVR9. D'appuyer la demande de la MRC de la vallée du Richelieu auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes afin que le télédiffuseur autonome TVR9 puisse desservir l'ensemble du territoire de la vallée du Richelieu, dont la ville de Carignan. De transmettre copie de la présente résolution au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes aux députés provinciaux des circonscriptions de Beauceville et de Chambly
M. Simon-Jolin Barrette et Jean-François Roberge, ainsi qu'un député fédéral de la circonscription Belleuil-Chambly, M. Yves-François Blanchet. Propose? Je vais le proposer, M. le maire. Appuyez. Édith Labrosse va appuyer. D'accord. Anne Bouchard en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. C'est Jean, oui. Parce que TVR 9 ne diffuse pas sur l'ensemble du territoire de la MRC, donc c'est une démarche qu'on entreprend en même temps que la MRC pour permettre une diffusion sur l'ensemble du territoire. Un déboursé du mois de février 2021. D'autoriser le paiement des comptes du mois de février 2021 pour un montant de 41 227 $16. De ratifier les chèques émis durant la période du mois de février 2021 présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés pour un montant de 1 301 383 $93. Je vais vous le proposer, M. le maire. Quelqu'un appuie? Édith Labrosse appuie. On est d'accord? Anne Bouchard en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Jean, oui. 6-2, c'est un dépôt, liste de commande février 2021. Radiation, taxes et facturations diverses. D'autoriser la radiation des soldes selon la liste datée du 3 février 2021 pour un montant de 7 665 $84. Quelqu'un propose? Édith Labrosse propose. Je vais l'appuyer, M. le maire. Tout le monde est d'accord? Anne Bouchard est d'accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Jean, oui. 6-4. Autorisation de paiement ajustement annuel des matières résiduelles organiques et recyclables pour l'année 2020, MRC Vallée-du-Richelieu. D'autoriser le paiement de la facture CRF 2100107 au montant de 179 445 $42 taxes incluses relativement à l'ajustement annuel des matières résiduelles organiques et recyclables pour l'année 2020 à la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Stéphanie Lefebvre propose. Le député, M. le maire. Tout le monde est d'accord? Anne Bouchard en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Oui. Juste pour bien comprendre, en 2019-2020, il y a eu la crise au niveau des matières recyclables. Et puis, il y a eu l'ouverture des contrats dans plusieurs MRC, dont la nôtre, où il a fallu vraiment majorer les coûts, compte tenu qu'il n'y avait plus de services possibles de recyclage. Donc, compte tenu de cette réévaluation du tonnage, donc ça me permet de faire un commentaire. Les démarches sont entreprises auprès de la MRC pour aller chercher des. Il y avait été question que le ministère nous alloue des montants pour compenser ces écarts-là. Donc, on est toujours à l'attente de ces montants-là. Par contre, la facture a été envoyée à la MRC, donc on se doit de la payer. On est toujours en attente de recevoir des subventions à ce sujet. Donc, 6-5. Autorisation de signature en temps de 5 ans, service. Haute vitesse, hôtel de ville, nouvel hôtel de ville. D'autoriser le trésorier à signer pour et au nom de la ville de Carignan l'entente pour 5 années de Internet Affaires FIB avec le fournisseur Bell pour les services requis au nouvel hôtel de ville. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. On est d'accord? On est d'accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Jean, oui. Donc, si les choses continuent à bien aller là, au cours des prochaines semaines, le déménagement est prévu pour le mois de mai en Ligue-Bourg-Carignan. 6-6. Approbation, grille d'évaluation et pondération, services professionnels en évaluation foncière. D'adopter aux fins de pondération des offres pour le service professionnel en évaluation foncière les critères d'évaluation suivants. Présentation et organisation de la firme, 5 points. Proximité du lieu de travail, 5 points. Expérience de projet réalisé, 10 points. Expérience de la firme dans le domaine de l'évaluation foncière, 20 points. Compétences et expérience du chargé de projet, 20 points. Expérience des membres de l'équipe, 15 points. Méthodologie, 15 points. Et calendrier de réalisation, 10 points. Je vais vous le proposer, M. le maire. Quelqu'un appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. On est d'accord? Anne Bouchard, en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Ah oui. 6-7. Autorisation d'emprunt temporaire, règlement 535-2020, autorisant le réaménagement de l'infrastructure de la carrière et de la route en bourse, et faisant une dépense d'un emprunt à long terme de 1 483 300.
Donc, finalement, les travaux d'aménagement là, pourraient permettre l'installation des roues abribus et des voies d'eau. On devrait aménager avec l'aménagement de trottoir. Donc, des travaux qui devraient avoir lieu entre le mois de juin et le mois de septembre. D'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et le trésorier à signer pour et au nom de la ville un emprunt temporaire dans le cadre du règlement d'emprunt numéro 535-2020, autorisant le réaménagement de l'intersection du chemin de la Carrière et de la route 112, décrétant une dépense et un emprunt à long terme n'excédant pas 1 483 300 $. Je propose. C'est bien, monsieur le maire. On est d'accord? Professeur, en accord. Excusez, dites la brosse en accord. Stéphanie Lefebvre, oui. Fermons-nous, oui. Jean, oui. Donc, je te remercie principalement la direction générale. Je vais vous dire, c'est un travail de longue haleine. Donc, je vais vous dire, ça fait déjà depuis 2016 qu'on est en démarche. Puis, ça a été facilement beaucoup d'efforts là, de la part de la direction générale et des services techniques. Vraiment, vous, je veux, donc, encore merci à nos gens qui ont facilité finalement le dénouement de cette réalisation de travaux là, qui est attendue depuis longtemps. 7.1. Octroi de contrat, pose de béton bitumineux et rechargement d'accotement 2021-2023, entreprise des Nexo. 212 700 $. D'octroyer le contrat de pose de béton bitumineux et le rechargement d'accotement pour les années 2021, 2022 et 2023 à les entreprises de Nexo Inc. pour un montant de 212 703 $ et 75 sous, taxes incluses par année. Je vous le propose, monsieur. J'appuie, monsieur le maire. Anne Poussard. Vous êtes d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse en accord. Stéphanie Lefebvre, oui. Fermons-nous, oui. Stéphanie, oui. 7.3. Octroi de contrat, fourniture d'enrobés bitumineux en vrac 2021, construction d'IGL. D'octroyer le contrat de fourniture d'enrobés bitumineux en vrac pour l'année 2021 à l'entreprise Construction d'IGL Inc. pour un montant de 33 285 $ et 26 sous, taxes incluses. Je vais vous le proposer, monsieur le maire. J'appuie. Anne Poussard. Vous êtes d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Tiens, Morneau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Donc, 7.3, octroi de contrat sur l'aménagement du parc multifonctionnel. Comme j'expliquais d'entrée de jeu à la période de questions, donc c'est un contrat pour le projet du parc au centre multifonctionnel. Donc, il y a deux projets en un. Donc, c'est le prolongement de la ville d'école avec la boucle de virage, l'agrandissement du stationnement de l'école, il y a un aménagement du parc avec une patinoire quatre saisons, il y a un chalet d'accueil et puis des préparations pour la piste de pump track. Donc, les travaux sont prévus se faire entre la période de mars à novembre. Et puis, pour la circulation, les camions emprunteront le boulevard de la mairie. Donc, d'octroyer le contrat de travaux d'aménagement du parc multifonctionnel à l'entreprise Bricon au montant de 8 043 206 $ et 43 sous, taxes incluses. D'autoriser une dépense nette de 7 858 635 $ et 92 sous, soit la valeur nette de taxes du contrat de 7 344 519 $ et 65, auquel s'ajoute une somme équivalente à 7% à titre de travaux contingents si nécessaire. Quelqu'un propose? Edith Labrosse va proposer. Je l'appuie, monsieur le maire. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, je demande le vote. Donc, Madame Poussard. Considérant qu'il y a peu de personnes qui ont été dans le registre, je suis en accord. Madame Labrosse. Ah, oh, je suis en accord. Madame Lefebvre. Contre. Madame Morneau. Pour. Saint-Jean. Pour. Donc, adopté à la majorité. 7.4. Autorisation de signature en tant que contribution financière, sentier transcanadien, réflexion route verte et du pont de bois par des hôtels. D'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la greffière ou en son absence le greffier adjoint à signer pour et au nom de la ville l'entente de contribution financière du sentier transcanadien pour le projet de réfection de la route verte et du pont de bois et à poser tout geste ou signer tout document nécessaire ou utile afin de donner effet à la présente résolution. Je vais proposer, monsieur le maire. Je l'appuie. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard, en accord. C'est la brosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diamonneau, oui. Et Saint-Jean, oui.
Donc, c'est une aide financière là, qui est équivalente de 35 % des dépenses. Puis, on prévoit faire une réflexion de 2,2 km de chaussée de la route verte là, et du pont aussi du parc des hôtels qui traverse de côté la rivière vers Chambly. 7.5. Approbation, grille d'évaluation et pondération, services professionnels de laboratoire ou des matériaux. D'adopter aux fins de pondération des offres pour les services de laboratoire et contrôle des matériaux, les critères d'évaluation suivants. Assurance qualité de la firme, 5 points. Expérience de la firme dans des mandats de nature et d'importance similaire, 20 points. Expérience du chargé de projet, 30 points. Expérience du technicien principal en contrôle des matériaux, 20 points. Capacité de relève du personnel clé, 25 points. Je vais vous le proposer, M. le maire. Quelqu'un appuie? J'appuie, Anne Poussard. Vous êtes d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. C'est là, oui. Offre de vente au 1,359,606 en Rambay dans le lit de la Rivière-Richelieu, direction de la gestion de domaine public de l'État. Donc, juste pour vous dire, c'est simplement le terrain qui se trouve en bordure de la rivière Richelieu, là, à l'extrémité du terrain du parc des îles. Donc, on est propriétaire. D'accepter l'offre de vente du lot 6,359,606 du Canada du Québec référé à même le lit de la Rivière-Richelieu de la part de la direction de la gestion du domaine hydrique de l'État au montant de 1,049,96 $, de mandater Linda Schnotter pour la préparation du projet d'acte de vente auprès de la Ville, d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la greffière ou en son absence le greffier adjoint, à signer pour et au nom de la Ville de Carignan l'acte de vente du lot 6,359,606 $ de la part de la direction de la gestion du domaine hydrique de l'État et à poser tout geste ou signer tout document nécessaire ou utile afin de donner effet à la présente résolution. Je te propose. Edith Labrosse propose. Déjà, M. le maire. D'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Déjà, oui. Autorisation de signature, participation au projet pour ma mobilité demain. Conseil régional de l'Agrément de la Mobilité. D'autoriser la Ville de Carignan à participer au projet pour ma mobilité, je m'active du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie à titre de partenaire municipal. D'autoriser le directeur général à signer pour le nom de la Ville la lettre d'appui au projet dans le cadre du programme Action Climat Québec. Je vais proposer, M. le maire. Edith Labrosse va appuyer. Vous êtes d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Déjà, oui. 7-8. Dépôt bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2020. C'est un dépôt. 7-9. Embauche, horticultrice saisonnière, travaux publics. D'embaucher Mme Lydia Levasseur à titre d'horticultrice saisonnière aux travaux publics, que cette embauche soit effective au 12 avril 2021, et tout selon les termes et conditions prévues à la convention collective régissant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3508. Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer, Stéphanie Lefebvre. Vous êtes d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Agnès Jean, oui. Adopté à la majorité. Unanimité. Unanimité. L'embauche 7-10, embauche chef d'équipe en gestion des eaux. D'embaucher M. Dominique Dubois à titre de chef d'équipe en gestion des eaux, que cette embauche soit rétroactive au 25 février 2021. De tout selon les termes et conditions prévues à la convention collective régissant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3508. Je propose. Vous le proposez, M. le maire. Quelqu'un appuie? Je vais l'appuyer, Stéphanie Lefebvre. Vous êtes d'accord? Anne Poussard en accord. Dites la brosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Déjà, oui. Nomination ingénieure infrastructure municipale projet permanent. D'embaucher de manière permanente Mme Natalia Burduja à titre d'ingénieure infrastructure municipale et projet. Je vais le proposer, M. le maire. Tiens, Morneau. Je vais appuyer, Edith Labrosse. Je vais demander d'accord. Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Tiens, Morneau, oui. Tiens, Jean, oui. 8-1. Demande PIA 2020. 0,35, l'eau 2,343,481 pour le 4198 chemin Sainte-Thérèse. D'approuver le projet d'agrandissement d'une habitation unifamiliale avec un garage attenant sur le lot 2,343,481
situé au 4198 Chemin Sainte-Thérèse. Je vais vous le proposer, M. le maire. Je vais appuyer, dites la brosse. D'accord. Anne Poussard, en accord. Et dites la brosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Thierry Morneau, oui. Et Jean, oui. 8-2. Demande TIIA 2020 pour 3066 Chemin Sainte-Thérèse. D'approuver le plan de construction pour une habitation multifamiliale avec des garages intégrés sur le lot 3015218 situé sur le chemin Sainte-Thérèse, tel qu'illustré sur le plan projet d'implantation préparé par Vitalroy Arpenteur Géomètre. Je vais vous le proposer, M. le maire. Je vais appuyer, dites la brosse. Hein? On est d'accord? Anne Broussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Jean, oui. Ce projet-là était déjà venu au conseil, au CCU. Il avait demandé de reviser l'architecture. Donc, on voit que maintenant, l'architecture s'harmonise mieux avec le milieu environnant. D'où la raison pour laquelle le TIA est accepté. 8.3. Demande TIA 2020-021-2002, lot 2144 pour le 1752 rue Henriette. D'approuver le projet d'agrandissement d'une maison unifamiliale isolée avec un garage attenant sur le lot 2601-144 situé au 1752 rue Henriette. Je vais vous le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. D'accord. Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Jean, oui. 8-4. Octroi de mandat, service professionnel, élaboration d'un guide de l'écoquartier, l'atelier urbain. D'octroyer le mandat pour les services professionnels afin d'élaborer un guide de l'écoquartier à la firme L'Atelier urbain, commençant de 75 807,62 $, taxes incluses. Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer, M. le maire. D'accord. Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Jean, oui. Donc, c'est un guide qui va être préparé à l'intention de tous, puis c'est bien exposé et traduit les orientations d'aménagement qui sont proposées dans le PPU à toutes les personnes qui sont des acteurs impliqués dans le développement futur de la ville. Donc, ça va être un outil qui va être très utile. 8.5. Approbation. Projet de lotissement zone H137, quartier Riviera. Approuver le projet de lotissement afin d'effectuer le développement de la zone H137 prévue au plan d'aménagement d'ensemble révisé du projet domiciliaire Le Riviera, tel qu'illustré sur le plan d'opération cadastrale préparé par Jean-Philippe Roux, arpenteur géomètre, en date du 15 décembre 2020, dossier 6505-83, minute 124-90. Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer, M. le maire. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Thierry Morneau, oui. Déjà, oui. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un projet de lotissement qui va être ajusté là, pour les limites de parc qui a agrandi un peu la propriété des terrains. Donc, en échange, le promoteur il va investir des 200 000 $ supplémentaires dans l'aménagement du parc. Puis, je vous rappelle que depuis qu'on a changé les ententes avec le promoteur, là, le coût d'aménagement des parcs, c'est pas les promoteurs. Loisirs, culture communautaire, 9.3 de mandat, élaboration de la politique culturelle et de son plan d'action, adhésion au programme Pivot, les arts et la ville. D'octroyer le mandat de rédaction de la politique culturelle et de son plan d'action à l'organisme Les arts et la ville pour un montant de 34 492,50 $ taxes incluses et d'adhérer au programme d'accompagnement Pivot. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais appuyer. Vous êtes d'accord? Je suis en accord. Edith Labrosse, oui. Madame Lafer? Oui. Donc là, je suis à Madame Morneau. Diane Morneau, oui. D'accord. 10-2. Accréditation d'organisme La Route des Arts du Richelieu 2021. D'accréditer en vertu de la politique de reconnaissance des organismes pour l'année 2021, l'organisme suivant, La Route des Arts du Richelieu. Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Tiens, Morneau, j'appuie. Vous êtes d'accord? Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Tiens, Morneau, oui. Saint-Jean, oui.
demande d'être financée à la Route des Arts du Richelieu pour 1500 $. Accordée à la Route des Arts du Richelieu une aide financière d'un montant de 1500 $ pour l'année 2021. Je vais proposer. Et je vais l'appuyer, M. le maire. D'accord. Anne sort en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Et là, oui. Adhésion politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires pour la reconnaissance de la MRC de la vallée du Richelieu. Que le Conseil de la ville de Carignan adhère à la politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires pour la reconnaissance de la MRC du Richelieu en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Que le Conseil adopte le panier de services qui sera offert aux organismes communautaires à portée régionale pour la ville de Carignan tel que soumis. Que le Conseil de la Ville de Carignan nomme la MRC de la Vallée du Richelieu organisme responsable de la reconnaissance des organismes communautaires à portée régionale. Que le Conseil de la Ville de Carignan nomme la directrice du loisir, de la culture et de la vie communautaire comme étant le responsable administratif. Que le Conseil de la Ville de Carignan s'engage à arrimer sa politique locale de reconnaissance à la politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires de la Vallée de la MRC de la Vallée du Richelieu au cours des deux prochaines années. C'est bon. J'aimerais le proposer, M. le maire. Je vais appuyer. On est d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Donc, c'est vraiment de mettre en place un processus de reconnaissance et de soutien commun pour toutes les villes de la MRC et pour les ONBL qui sont à portée régionale. Donc, au point 10.5, on adopte la politique de reconnaissance des organismes. D'adopter la nouvelle politique de reconnaissance des organismes, quelque proposée par le service des loisirs. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais appuyer. On est d'accord. Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Jean, oui. 10.6. Adoption programme de subvention modifiée, couches lavables et produits d'hygiène féminine. De modifier la résolution 21-01-33 afin d'ajouter des précisions au niveau des remboursements pour tous les produits d'hygiène féminine. Les sous-vêtements absorbants pour adultes et les couches lavables. Les produits achetés peuvent être neufs ou usagés. Toutefois, si les produits sont de seconde main, ceux-ci doivent être achetés dans certaines boutiques, comptoirs, vestimentaires ou friperies pour être admissibles à la subvention. Un refus officiel sera également demandé. Aucune facture émise par les particuliers ne sera acceptée. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer, M. le maire. 17. Nomination. Tout le monde est en accord? Oui, Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Oui. Nomination membre consultatif culturel. De nommer les personnes suivantes pour un mandat de 3 ans renouvelable, Mme Diane Morneau, Mme Edith Labrosse, Mme Céline Bisaillon, Mme Nathalie Guimont, Mme Joannick Tétrault, Momta Rao et Alia Matthews. Je vais vous le proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Ah oui. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont posé leur candidature, qui ont été contribuées aux membres du comité. Donc, merci à vous pour votre contribution. 18. Création poste préposé à l'entretien 30 jours. D'autoriser la création du poste de préposé à l'entretien pour les 40 jours, le tout selon les termes et conditions prévues à la convention collective régissant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3508. Je vais vous le proposer, M. le maire. Appuie. Edith Labrosse appuie. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Jean, oui. 19. Création de poste coordonnateur aux loisirs, à la culture et à la vie communautaire. D'autoriser la création du poste de coordonnateur aux loisirs, à la culture et à la vie communautaire, le tout selon les termes et conditions prévues à la convention collective régissant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3508. Je vais vous le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Vous m'avez d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Oui. 11. 1. Dépôt certificat tenu de registre règlement d'emprunt numéro 536-2021. Autorisation de la
autorisant l'acquisition des lots 2598-034 et 2598-035 du Canada du Québec, et qu'atteint une dépense en argent comptable de 907 000. Donc, on n'a reçu aucune signature, monsieur le maire. Le règlement est député à approuver par les personnes habiles à voter. Donc, si vous voulez comprendre, c'est le loi d'emprunt pour l'acquisition de la chapelle. Exact. 11.2. Avis de motion, projet de règlement 508-221-1, modifiant le règlement 508-221 concernant le stationnement et la circulation dans les rues de la ville. Je vais donner l'avis de motion, monsieur le maire. 11.3. Avis de motion, projet de règlement d'emprunt 528-221, autorisant l'acquisition de plusieurs lots afin de présenter des déminés et décrétant une dépense pour un emprunt long terme de 1 709 000. Je vais vous donner l'avis de motion, monsieur le maire. 11.4, un autre avis de motion. Premier projet de règlement numéro 483-16-U, modifiant le règlement de zonage 483-U. Je vais vous donner l'avis de motion, monsieur le maire. 11.5, approbation. Premier projet de règlement 483-16-U, modifiant le règlement de zonage 483-U. Je vais. C'est un. C'est ça. Quelqu'un appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. D'accord. En accord, Anne Broussard. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Pierre, oui. Avis de motion, projet de règlement 485-3-U, modifiant le règlement de permis certifié numéro 485. Qui donne l'avis de motion? Je vais vous le donner, M. le maire. 11.7. Projet de règlement 485-3-U, modifiant le règlement de permis certifié numéro 485-U. D'adopter pour valoir à toute fin que de droit le projet de règlement numéro 485-3-U, modifiant le règlement des permis certificats numéro 485-U. Je vais vous le proposer, M. le maire. Quelqu'un appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Vous d'accord? Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Oui. Ensuite, adoption règlement numéro 310-2021-1, le règlement numéro 2021, étant les tarifs pour divers services rendus par la ville de Carignan. Je voudrais vous proposer. D'adopter pour valoir à toute fin qu'est de droit le règlement numéro 310-2021-1, remplaçant le règlement numéro 310-2021, établissant les tarifs pour divers services rendus par la ville de Carignan. Je réitère ma proposition, M. le maire. Edith Labrosse va appuyer. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Oui. Donc, le nouveau tarif, là, c'est pour inscrire la tarification qui est liée au service, au nouveau service du conciliateur arbitre. 11.9. Adoption second projet de règlement numéro 483-15-U, modifiant le règlement de zonage 483-U. D'adopter pour valoir à toute fin que de droit le second projet de règlement 483-15-U, modifiant le règlement de zonage 483-U. Je vais vous le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer, M. le maire. D'accord. Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Jean, oui. Ça, principalement, c'était pour augmenter à 15% les frais. Dans la zone mixte et construisible au nord du secteur centre ainsi que de la carrière. Donc, le frais de paiement pour la fin. 11.10. 484-3-U, modifiant le règlement de lotissement 484, ajoutant des dispositions concernant les frais de paiement et en plus de rue. D'adopter pour valoir à toute fin que de droit le règlement numéro 484-3-U, modifiant le règlement de lotissement numéro 484-U. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer, M. le maire. Tout le monde est d'accord. Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Jean, oui. Donc, point information. Bon, je ne sais pas si vous avez lu aujourd'hui, là, on avait mis annoncé sur le site de la ville qu'il y avait l'hydrométéo qui faisait des opérations de venir affaiblir la glace. Là, je les ai vus, c'est terminé aujourd'hui, c'est ça, parce que j'ai vu ce matin, là, donc ils ont terminé les travaux. Et puis pour les prochaines semaines à venir, là, on a déjà réservé la semaine prochaine, on est
que la grenouille, apparemment la grenouille, celle qui vient briser la glace à tous les printemps, là, serait sur le courant de la semaine prochaine. Donc, en prévention du redoux. Donc, on est réservé comme à tous les années la grenouille. Cette semaine, c'était. On ne croit pas non plus avoir de mauvaises indications pour le redoux. Donc, on agit de façon préventive. Donc, nos équipes sont déjà sur le territoire suite aux pluies qu'il y a eu la semaine dernière, de voir à dégager les lieux qui sont plus critiques au sujet de débordement de rue pour les canalisations. Donc, cette semaine, l'hydrométéo qui allait, la glace qui s'est affaiblie. La semaine prochaine, la grenouille. Donc, déjà, nos équipes sont en place si jamais il y avait besoin d'intervenir. Donc, les informations que j'avais à vous transmettre. Et le point 13.1, désistement avis d'expropriation, réserve foncière, secteur 5. De décréter le désistement des avis d'expropriation en vue de constituer une réserve foncière publiée à l'encontre des lots 2598-098, 2598-099, 2598-100 et 2598-114 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chambly, conformément à la résolution 2006-180, de mandater Burel Avocate pour effectuer les démarches nécessaires et requises pour donner plein effet à la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais proposer, M. le maire. Et je vais appuyer. Tout le monde est d'accord? Anne, je suis en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Ah oui. Nous en sommes rendus au dernier point de la séance, donc la levée de la séance. Je vais le proposer. Et je vais appuyer, M. le maire. D'accord. Donc, merci de votre présence ce soir. Donc, on se revoit le mois prochain. Puis, profitez bien de vos congés pour ceux qui le sont. Merci. Bonne fin de soirée. Au revoir. Soirée.